Je crois que les sentiments francophiles de la famille sont assez connus. C'est assez peu dire. La famille Amrouche, Katbiassine, l'a définie une figue de barbarie. Cela signifie que si la France s'empare de cette famille, elle se pique parce que les racines de cette famille sont des racines maghrébines, algériennes, singulièrement berbères. Vous voyez, si l'Algérie dit « cette famille Amrouche nous appartient totalement », elle aussi se pique et se pique cruellement. Parce que sur ce vieux tronc africain, africain du Nord, a été opérée une greffe française et une greffe chrétienne. Cependant, toutes les séductions de l'Occident et de la France que nous aimons n'ont pas pu obtenir que cette famille soit véritablement et totalement assimilable. Voilà. Et ce qui me trouble dans tout ce qui vient d'être dit, c'est que l'on parle uniquement de fin matérielle en ce qui concerne le peuple autochtone. Mais il s'agit d'un tout autre pain, d'une tout autre fin. Voilà tout ce que je voulais dire. Et ce problème, je crois que mon frère l'a analysé. Il en est mort, car il a été écartelé entre les deux communautés. Voilà ce que je voudrais dire. Je l'ai dit peut-être avec trop de passion. C'est bien compréhensible. Que cette passion me soit...